Salut tout le monde, c'est Seijo qui on se retrouve pour cet épisode 137, si je me rappelle bien. Toujours est-il que s'est-il passé la dernière fois dans Higurashi no Kokoro ni Kai, ou le Soigi Fial en français, Arc des Réponses. Eh bien, nous avons eu Shion qui a dû faire face au, entre parenthèses, tribunal de la famille Sonozaki pour avoir... justement flirter ou voilà être tombée amoureuse de Satoshi alors qu'à la base elle pensait que c'était plus le fait que elle était amicale avec quelqu'un qui était effectivement jugé par Oryo Sonozaki comme étant un ennemi du village car la famille Sonozaki ou plutôt les parents de Satoshi et Satoko étaient pro barrage lors du conflit impliquant la construction de ce barrage. Et donc, voilà, pour Oryo Sonozaki, Satoshi était un petit peu le pire mouton noir que Shion aurait pu choisir comme sujet de son amour. Et donc, c'est devenu assez horrible, et elle a justement dû s'arracher trois ongles grâce à une machine de torture. Et on s'était arrêté peu de temps après ça, alors qu'elle perdait connaissance, alors que, voilà... Deux gardes de la famille hein, se sont occupés d'arracher les deux doigts, enfin les deux ongles restants parce qu'elle avait réussi à s'en arracher un elle-même en se faillant lors du deuxième essai pour le second doigt. Enfin bon, on va reprendre à l'endroit où c'était arrêté la dernière fois, voir comment ça va évoluer parce que Satoshi est encore présent, il n'a pas encore disparu. On sait qu'il s'est fait interroger par Oishi, mais on sait également grâce à un indice qu'il ne sera pas inculpé pour le meurtre car quelqu'un va se dénoncer à sa place. Donc on va reprendre à partir de cet endroit là et c'est parti. Donc on va voir, je suppose qu'on va retomber direct sur Shion et voir comment elle va. C'est parti.
Bon, eh bien je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette fois parce que bon, il y a deux indices, mais on vient de passer 47 minutes sur le jeu. Donc je pense qu'on fera les indices en début d'épisode suivant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait, c'était plus une sorte de joute, ou plutôt de série d'argumentations et de théories provenant de l'inspecteur Oishi qui, ma parole, a plutôt bien la tête sur les épaules. Donc on sent bien qu'il a de l'expérience parce que pour trouver tout ça et réussir à imaginer ces scénarios, voilà, il fallait du temps. En tout cas, les théories qu'il a sont assez intéressantes, mais bien qu'il y ait une sorte pas de, enfin, une sorte de témoignage ou plutôt d'information provenant de la gare de Nagoya, sans vouloir être défaitiste, j'y crois pas trop que Satoshi ait pu s'échapper, bien que Mion aurait pu peut-être essayer d'obtenir un sursis auprès d'Orio Sonozaki, mais voilà, on sait pas si c'est effectivement les Sonozaki qui l'ont fait pour le moment. Peut-être qu'effectivement les Sonozaki ont choisi de se débarrasser définitivement de Satoshi, auquel cas il aurait été. Enfin voilà, il serait dans la salle de torture et il aurait peut-être été tué à cet endroit-là et envoyé dans le puits que nous connaissons. Ou autrement, il aurait été enlevé par les démons de façon surnaturelle par la déesse Yashiro. Ça, c'est aussi une possibilité. Et ce, peut-être justement parce qu'il aurait pris la fuite suite à ce que l'inspecteur Oishi a spéculé. C'est-à-dire qu'il serait arrivé au magasin et que les Sonozaki auraient profité de leur influence pour récupérer la peluche alors même qu'il avait réservé, et que donc, devant la culpabilité de ne pas pouvoir ramener son cadeau à Satoko, il aurait pris la fuite par le train, il aurait été jugé de trahison par la déesse et aurait été voilà avalé par je ne sais quoi. Toujours est-il surnaturel, ta gueule c'est magique. Alors, comment est-ce que ça s'est vraiment passé? On sent qu'effectivement, on risque pas de revoir Satoshi avant un moment, même s'il est vivant. Jusqu'ici, on n'a jamais eu de. Même dans les autres chapitres, enfin les autres tomes, on n'a jamais eu d'informations au sujet d'un Satoshi qui serait revenu. Donc voilà, cette information sur sa disparition semble être la dernière preuve de sa présence à Inazawa. Et au-delà de ça, il n'a pas l'air d'être revenu, quelle que soit la façon. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous aura plu, donc j'espère vous retrouver très très bientôt pour la suite de cette série, et j'espère que nous saurons bientôt la fin de. Enfin, ou plutôt, que nous vous en apprendrons plus sur ce qui s'est réellement passé, car nous sommes quand même dans l'arc des réponses. Et le fait d'avoir plus le point de vue des policiers et en fait même de l'inspecteur Oishi, j'ai trouvé ça quand même vraiment sympa. Bien qu'on ait déjà eu une sorte de chose autour de sujet dans le tome 4, parce que c'était avec Asakasaka qui coopérait avec Oishi à un certain point et qu'à la fin il voulait tenter de résoudre l'énigme, mais voilà, jusqu'ici on sait toujours pas exactement ce qui s'est passé, pourquoi et comment ça va développer. Enfin bref, j'espère vous retrouver très très bientôt. Allez, salut, c'était Seth Jockey.